Hello. Je voulais vous faire un short, et puis il y a trop d'informations. Je voulais vous faire un petit tirage. Mais je vais essayer de faire court quand même. Alors déjà, coup de gueule, d'emblée. Non, c'est pas un coup de gueule en fait, je m'en tape, je gagne pas ma vie grâce à YouTube. C'est ma petite récréation. Mais je comprends mieux. Il y a une carte mentionnée là sur YouTube, je te dis pas le nombre d'abonnés, enfin bon bref, je pense qu'elle en vit. Qui râlait, qui disait je me casse, je vais sur une autre plateforme parce que c'est pas juste. En fait, comment ça s'appelle? Pas les statistiques. Bref, l'algorithme n'est pas juste. Et en fait, je commence à m'en rendre compte, je trouve ça bizarre. Comment tu peux faire 200 vues sur une vidéo et des fois entre 40 et 80 sur une autre? Bref. Tant pis, c'est comme ça, mais c'est dommage que ça puisse pas être diffusé à un plus large spectre, on va dire. Voilà, je sais pas pourquoi je vous partage ça. Il doit y avoir un parallèle à faire sur d'autres choses. Ensuite, je suis en train de me préparer parce que je vais aller faire des papiers là, quant à une autre démission. Et je me dis, il y a peut-être des messages, des choses à partager. Peut-être on est dans ces énergies-là, tu vois. Finir, clôturer, des chapitres qui n'ont plus à être. C'est ressorti dans certaines guidances. Couper les liens, s'éloigner de choses qui ne nous font plus du bien, qui ne nous font pas du bien. Ça ne veut pas dire que c'était forcément mauvais, mais ça n'a plus lieu d'être. Parce qu'on évolue, prend des voies différentes. Bref. Quoi d'autre? Ah oui, je me suis tapé un fou rire toute seule en m'habillant. Parce que bon, au boulot, j'étais en jogging et tout, je me suis dit quand même. Un minimum de respect jusqu'au bout, au moins pour toi, respecte-toi. Je me suis dit, mets ce t-shirt. Oui, tu es boudiné, les boutons sont prêts à sauter. Et alors? Et alors, si t'as envie qu'on t'écoute, ne mets pas de décolleté. Quel intérêt? Non, il faut qu'ils se sentent menacés, qu'un bouton peut leur sauter à la gueule à tout moment. Je me suis imaginé que si je m'énervais et que je prenais une grande inspiration, même pas crier, juste une grande inspiration, il y a un bouton qui peut sauter. Je peux perforer les yeux à quelqu'un. Non mais il faut en rire. Prendre du poids, parfois, c'est une force. Tu menaces tout le monde là. Juste à chaque inspiration, quelqu'un peut se prendre un bouton dans la gueule. Bon, allez, je vais quand même vous faire un tirage. Bon bah voilà, bah, peut-être qu'il y aura un soulagement. Peut-être d'une crainte, bah, juste après il y aura un gros fou rire. Enfin, écoute, la vie est belle quand même, je vais te le dire. La vie est belle quand même. Qu'est-ce qu'on a? Il y a peut-être des miracles. Hein. J'ai choisi juste cet oracle, et ce sera court. L'oracle des miracles. Je ressens du stress, de l'anxiété, c'est bizarre. Punaise, celle-là l'a sauté. Moi, j'ai failli me prendre une carte dans l'œil. Ok. Alors, en dos de deck, on a quoi? Peur de s'illusionner, peut-être sublimer par rapport à un début. Début de quelque chose. Derrière, on nous rassure, on te dit non, il y a un cadeau. On parle de quelque chose de solide, peut-être d'un lien, parce qu'il y a des chaînes avec des petits cœurs et tout, mais c'est solide. Alors, peut-être vous allez avoir de nouveaux guides. Nouveaux guides, c'est des personnes qui arrivent dans votre vie. Ou des nouveaux guides. Et là, j'ai pas envie d'expliquer. Enfin, bon, bref, ça dépend de où t'en es dans ta spiritualité, mais pour vous accompagner. Vers un nouveau départ. Peut-être vers des soins. Mais ça s'arrête pas juste au comment prendre soin de soi, comment avoir la bonne parole. Un truc qui vous fait grandir, qui vous fait vous sentir bien. Ça peut être pour vous rendre plus solaire, pour avoir des vibrations plus hautes. D'ailleurs, si vous sentez ce genre de choses, tu le ressens quand tu montes en vibration, quand tu changes de vibration.
Il peut y avoir ce côté, je trouve, des fois des nausées, des mal au ventre. Il y a des choses comme ça, c'est brutal. Après, ça fait comme un séisme, tu peux vraiment faire des gros malaises. Bon, c'est très particulier et c'est pas un truc qui t'arrive tous les mois non plus, hein. Ça peut être annuel. Bon, on voit qu'il y a au cœur du tirage. Ouvrir de nouvelles portes. C'est important. Une nouvelle clé, des nouveaux outils. Ah, il peut y avoir de la tristesse. Et par rapport à quelque chose qui s'arrête ou un manque d'ancrage. L'ancrage serait important. Et la nécessité, en fait, parler sera la solution. Parler pour mieux s'ancrer ou parler par rapport à des pleurs, de la tristesse. C'est une carte sombre, mais j'allais dire, c'est joliment entouré. Tout va passer par la communication pour se sortir de ça, de cet état. Peut-être pas une situation, peut-être un état. On voit l'importance de... Tu sais, le guide aussi. Ça me fait penser au guide... Quelle influence, j'allais dire le guide du routier et du routard là. Non, mais je confonds routier et routard. Mais bref, il y a des guides... tout simplement, hein, pour prendre le bon chemin, le bon restaurant. Et ben là, apparemment, ce serait pour avoir les bonnes humeurs. Tu le mets sur le plan que tu veux. Pour à nouveau se faire plaisir. La clé, là, ces nouvelles portes qu'on ouvre, on te dit que c'est du bonus, hein. C'est du bonus, c'est pour se faire plaisir, c'est une belle récompense. Peut-être tu vas t'en faire, hein, des récompenses. Ça joue sur l'humeur, c'est lié. Et l'ancrage revient. Donc, c'est intéressant. Ça paraissait compliqué, mais c'est pas compliqué. Il suffit de toquer à la bonne porte. Et vous devriez, grâce à cette bonne guidance, peut-être vous êtes tout simplement bien aligné, peut-être vous avez les bonnes personnes autour de vous. Il suffit de toquer, d'ouvrir les bonnes portes pour et de bien parler, surtout. Bien travailler votre communication. Alors, vous pourriez sortir de cet état, de ces états de tristesse ou de pleurer, de manque d'ancrage. Voilà, pour vous sortir de tout ça. Et on voit, l'ancrage revient, on peut se faire plaisir. C'est un cercle vertueux. On dirait presque que ce tirage, c'est l'histoire de la vie. C'est tellement évident, mais bon, si ça sort, c'est que c'était important. Pour certains, c'est votre conjoint ou votre conjointe. La clé, c'est sur la clé. On a un petit cupidon, on a quelque chose d'amour. Et sur la tristesse, tiens. Ah, c'est une histoire d'abondance, de richesse, de pognon, de choses que tu veux voir arriver, qui tournent pas encore, d'après toi. Mais avoir le bon mental, c'est se dire que timing divin, tout arrive à point. J'ai postillonné. Comme jamais. Ouais, c'est beau. C'est mignon. Ouverture des bras. Il y a une histoire d'ange gardien. C'est ça le bonus. C'est l'ouverture du cœur. Être ouvert à l'information d'amour, envoyer de l'amour, accepter de recevoir surtout. Et ben, on retrouve en d'autres decks des liens solides, une belle récompense. C'est un très joli tirage. Voilà, je regrette pas que le short n'ait pas marché. Des fois, quand c'est long, c'est bon. Bisous les chéris!